coucou à tous. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu le voir sur le titre, c'est des produits finis. En même temps, sur cette vidéo, vous allez, je vais vous montrer un peu les dernières, le dernier meuble, on peut dire, oui, parce que c'est des meubles, sur Shein que j'avais acheté sur ma dernière vidéo Shein. Donc on va voir ça tout de suite. Allez, on commence. Alors, on va déjà commencer par les produits finis. Donc j'ai deux petits pochons. Je vais vous montrer. Bon, j'avais pas gardé énormément de choses. Bon, si, quand même, je regarde. Donc, on va déjà commencer par ce produit. C'est de la marque Smoothie Frozen. Donc, ça vient de chez. Comment ça s'appelle ? Action. Si je me trompe pas. C'était pas mal, mais franchement, il y avait 500 ml. Après, ça moussait très très bien. Mais franchement, sans plus. Après, l'odeur, je sais plus si c'est. Ouais, c'était une odeur de fraise, si je me trompe pas. Donc ça faisait gel douche et bain, et je l'ai utilisé plus pour les enfants. Donc voilà. Mais ça, c'est pas un truc que je vais racheter. Ensuite, j'avais acheté aussi du bain de bouche Listerine, très très bien. Alors par contre, il est très très fort. Il vous arrache la tronche. Mais fraîcheur intense, c'est vraiment vrai, hein. Là, pour le coup, vous avez une bouche qui sent bon, qui est vraiment très frais. Et c'est vrai que moi j'utilise souvent des bains de bouche parce que j'ai de la plaque dentaire, hein, j'ai du tartre. Et donc je prends souvent différents, dès que je trouve quelque chose qui est pas trop cher et qui, voilà. Donc là c'était du 500 ml et Listerine c'est une très bonne marque. Franchement, si vous voulez, moi je sais que je reprendrai Listerine. Je pense qu'il y avait une promo parce que Listerine c'est quand même un peu cher. Ensuite j'avais acheté un gel douche pour mon fils de 14 ans, du Palmolive. Donc chez Action, vous l'avez celui-là, c'est un 3 en 1. Il m'a dit qu'il était très bien, voilà, c'était un gel douche quoi, hein, tout simplement. Mais il avait bien aimé. Ensuite, j'avais pris aussi des protège-slip de la marque Label. Label, je crois que c'est à Intermarché, je suis pas sûre, ou Carrefour, je sais plus. Ou peut-être Leclerc. Je ne sais. Ah bah c'est marqué, il y a le logo Intermarché, donc je suis con, hein, c'est marqué comme le porte-salut. Donc c'est des protège-slip longs et larges, ils sont très très bien, ils sont pas chers. Et dedans vous en aviez, je crois, 60, non? C'est combien? Ah non, 26. Et en fait, chez Lidl, je les prends plus parce qu'ils sont parfumés, voilà. Donc sincèrement, s'ils en font non parfumés, ça m'arrangerait, voilà. Ou sauf si vous connaissez à Lidl un protège-slip non parfumé, mais en tout cas, moi, dans le mien, ils sont tout le temps parfumés et moi, je ne peux pas. Ça me fait des irritations, c'est une horreur. Donc je prends toujours chez Carrefour, Intermarché, dès que je vais dans ces magasins-là. Mais sinon, chez Lidl, je ne prends jamais. Action, c'est même pas la peine. Les protège-slip sont pourraves. Donc je prends souvent chez Carrefour Market, Carrefour, voilà. Ainsi que Intermarché et Leclerc. Ensuite, j'avais pris un signal anti-tartre. Très très bien. Naturellement, si Aurine fait une vidéo, forcément, il y a une coupure. Hein. Désolé. Donc, ce dentifrice-là, Omeofitol, c'est un très bon dentifrice. Hein. Bon, désolé pour cette troisième ou deuxième coupure. Donc, j'en étais au dentifrice Omeofitol. Et vous pouvez le trouver dans les centres commerciaux. Ensuite, cette fameuse teinture de la marque Caméléo. Coûte 1,99€ et je l'ai acheté chez Action et elle fonctionne très très bien. Franchement, je suis ravie. Moi, je prends tout le temps en 9.0, donc franchement, ouais, cette marque, franchement, aux 5 huiles Oméga plus 5 huiles, ouais, c'est ça. Donc, cette marque, vous la trouvez chez Action. Vous avez donc plusieurs coloris, hein, bien sûr. Moi, je le prends en blond, mais franchement, elle était très bien. Ensuite, j'avais eu en cadeau d'anniversaire par mon homme un parfum de la marque Aimé de Mars. Ça s'appelle Divine Emeraude, avec un bouchon un peu style bois. Et franchement, il est super. Ça, en parapharmacie ou en pharmacie, vous le trouvez. Donc, il m'avait offert un petit flacon comme ça de 30 ml. Je crois que ça doit être 30 ml. Ouais, 30 ml. Et franchement, il sentait super bon. Voilà. Donc c'est plus un parfum, je tiens à préciser, à partir de 40 ans. Voilà. Bon, je dis pas que je suis vieille, mais... Ensuite, ce fameux parfum de panier d'essence à la fleur d'oranger. Cette bouteille, je vais la garder, elle est trop belle. Franchement, ils sentent trop bon.
Ah ouais, putain, faut que je le rachète. À chaque fois que je passais devant mes copains, mes potes et tout, ils me disaient, mais putain, ça, tu sens super bon. C'est un parfum qui se sent super bon. Franchement, à l'eau, à la fleur d'oranger, panier d'essence, franchement, j'ai peut-être même y faire un tour là parce que je pense qu'il doit y avoir des promos. Ensuite, il y avait des échantillons et je voulais quand même en parler. Nina Ricci, super. Franchement, celui-là, il faudrait que je la jette. Donc pareil, je le mets de côté. Et l'autre que je voudrais aussi acheter, c'est Yes I Am de Glorious de Cacharel. Parce que Cacharel, c'est un parfum de mon enfance. Ma mère, elle me portait le premier Cacharel. Je ne sais pas si vous vous souvenez, les anciens. Mais les flacons blancs avec des fleurs Cacharel dessus, faut que je le retrouve celui-là. Mais ce sera plus en vente du Sylvie Vinted, tout ça. Il y en a qui les vendent, mais hyper cher. Donc c'est un peu chiant. Mais ce parfum-là, de la marque Cacharel, est très très bien. Donc ça, c'était pour les produits finis. Maintenant, on va passer à deux meubles, dont un, j'ai envie de le... Vous allez voir tout de suite. Alors, on commence déjà par ce fameux petit... je sais pas si vous vous souvenez dans ma dernière vidéo Chine. J'ai mon siège qui descend. Non, mais il n'y a rien qui va dans cette vidéo. Donc, il y a ce meuble avec le tiroir. Donc, vous avez un petit strass, ça fait super coquet. Et vous avez donc des cases. Donc celui-là, il était très facile à monter. Voilà, il est très choupi, franchement. Et puis vous mettez des crayons, ce que vous voulez dedans. D'accord? Donc celui-ci, il me va parfaitement bien. Alors après, vous pouvez les enlever, hein. Vous pouvez enlever le compartiment et puis garder, voilà. Mais franchement, l'autre, il est pourri. Alors je vais voir, hein, je vais essayer un jour. Donc je vais vous le montrer. Hop. Voilà, donc voilà, déjà il y a une barre qui se barre. Donc c'est un meuble comme ceci, hein, qui est assez grand, hein. Il y a 4, 1, 2, 3, 4, il y a 4 compartiments. Par contre, voilà, il a tendance à se barrer, vous constatez. Voilà, c'est magnifique, donc ça s'enfonce pas super bien. Vous vous niquez la main en plus. Et secondo, je le dis sincèrement, là, le tissu, vous voyez comment c'est? C'est du plastique, ça va pas tenir, hein. Je veux dire, faut pas mettre des trucs lourds dessus. Hein. Donc je décon. Bon, il va me casser des bonbons, ce truc-là. Donc il faudrait que je voie pour bien le monter. Quitte à prendre un marteau, j'en sais rien. Mais ce meuble-là, je ne le conseille pas. Je le dis sincèrement. Le balai. Donc le balai serpillière, je l'ai testé hier chez ma cliente. Nickel. Même elle, elle me disait, putain, c'est super votre truc et tout. Donc franchement, je suis ravie. Sinon, bah, je crois que c'est tout pour les produits que j'ai testés. Ouais, c'est tout. Parce que, alors, je vais quand même faire une vidéo, je tiens à préciser, pour faire un DIY sur la couronne de Noël. Parce que je pense que je vais quand même la faire. Après, je la mettrai sur ma chaîne. Parce que je me dis que ça peut être sympa, ça pourrait changer un peu ma chaîne que de voir toujours des actions, Shein, etc. Dernièrement. Donc je vais quand même la faire. C'est vrai que je vous avais posé la question, personne ne m'a répondu. Donc ça voulait dire que vous en papadouillez chez les papayoutes. Mais je vais quand même la faire. Et ce sera un plutôt sympa. Je pense que ça pourrait changer un peu de faire un peu de DIY sur ma chaîne. Pourquoi pas. Et peut-être qu'avec cette vidéo, vous allez peut-être me dire que ça vous plairait que j'en fasse d'autres. Voilà, tout simplement. Sur ce... Bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous allez, voilà, que vous avez apprécié cette vidéo. Elle est courte, elle n'est pas trop longue, mais bon, écoutez, je peux pas faire non plus des vidéos à rallonge. Et ne vous inquiétez pas, bientôt vous aurez encore une vidéo Chine parce que je vais passer encore une dernière commande. Il y aura peut-être une vidéo action. Donc ça, c'est encore à voir, peut-être la semaine prochaine. J'essaie de faire au moins deux vidéos par semaine. Je ne sais pas si vous avez constaté, mais j'essaie de faire au moins deux vidéos par semaine pour bah, agrémenter un peu plus ma chaîne. Et puis au moins, ça vous permet d'avoir des vidéos hein, assez régulièrement. Donc j'espère que ça vous plaît. Dites-moi en commentaire. Sur ce, j'espère que vous allez tous bien. Likez, partagez, mettez des pouces bleus. C'est toujours gratuit, comme je dis. Et puis sur ce, bah, on se voit prochainement. N'oubliez pas d'aller sur mon Vinted, comme je dis toujours. Parce que je mets assez régulièrement des choses, dont là je vais dire tout simplement que je vais mettre des œufs tout neufs Switch. D'ailleurs, je peux vous les montrer, hein, comme ça, s'il y en a une ou un qui est intéressé, je vais mettre ce fameux jeu 30 en 1. Je vais mettre aussi ce jeu, voilà. Je vais mettre aussi ce jeu qui s'appelle Stamping Ball Arcade et Rims.
Donc c'est des jeux tout simplement que je vais mettre à peu près dans les 15 euros, 15-17 euros. Ça vaut le coup. Normalement, ça coûte plus cher, hein. Il faut compter 30 euros un jeu, voire 40 euros. Donc je vais les mettre pas en lot, hein, un par un, comme ça, ce sera plus simple. Donc si ça intéresse, foncez-y. Ils sont sur Blister, hein. Je tiens à préciser, ils sont sous plastique. Donc ils sont tout neufs. Si vous voulez faire plaisir à vos enfants, allez-y. Je vais les mettre là, d'ici dans le week-end. Vous avez même vendredi soir, on est vendredi là, 1er décembre. Je vais mettre cette vidéo sur ma chaîne. Et donc, vous pourrez aller sur mon Vinted. Je vous fais tout plein de gros bisous. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!